10 000 codeurs. L'Afrique, poumon de l'industrie mondiale du numérique. À travers une jeunesse accompagnée par les grandes sœurs et les grands frères du réseau d'experts 10 000 codeurs. 450 millions de jeunes entre 15 et 35 ans. Et si cette jeunesse était accompagnée dans les métiers du numérique ? L'Afrique deviendrait le poumon de l'industrie mondiale du numérique. Du lundi au vendredi, 20h heure de Paris, des professionnels donnent du sens à leur carrière en devenant des repères pour la jeunesse africaine. Conseils, retour d'expérience, savoir-faire, savoir-être, ils partagent leurs connaissances et préparent une nouvelle génération de jeunes décomplexé, prêt à servir leur futur, le futur du continent. Ce soir, quatrième lundi du mois, Community Management, le thème gestion de l'irréputation. Avec une invitée spéciale, grande sœur Bayanar, experte dans ce secteur, consultante en communication, marketing numérique, et accélération digitale. Bienvenue à la grande sœur. Ce soir, modérateur, le grand frère Chedjou Kamdem, l'homme fort de 10 000 codeurs, référent community management, social media manager, formateur, enseignant, écrivain en community management. Il est là avec nous ce soir comme tous les mois. Cameroun. Du côté de la Côte d'Ivoire, la grande sœur, Bérénice Kouassi, social media manager, avec nous une fois de plus, qui partage ses connaissances. Des grandes sœurs, des grands frères qui partagent leur savoir et préparent l'acculturation de la jeunesse. Les jeunes doivent connaître le potentiel du numérique pour leur carrière. 10 000 codeurs, l'Afrique poumon de l'industrie mondiale du numérique. Autodesk is fun, Autodesk is exciting, Autodesk is a mission-driven company. Autodesk brings people and purpose together in a way that enables us to create incredible impact on the world through our customers. I joined the Autodesk team because I was really excited about the mission of the company and the journey that we're on to design and make a better world. Autodesk has always had a great culture, and I think of culture as a conversation. The conversation that happens between peers, between managers and their employees, between leadership and the rest of the population. So we're developing lots of ways for employees to provide us feedback as they're having these culture conversations. Autodesk is a great place to work because it has a unique culture that enables everyone to be their authentic selves at work, to work with a diverse range of people on opportunities to solve much bigger problems than other companies. People want to be at Autodesk. They are excited about what we do for our customers. We're making a massive impact on the world around us. We're also evolving our culture, we're evolving the way we work together, all in support of that larger company mission and vision. If you want to work in a company that's doing incredible things for their customers and therefore for the world, with smart, capable, passionate, good people who you also have fun with, come work for Autodesk and be a part of our culture, be a part of the conversation, be a part of our evolution. Que les personnes qui sont ici ont en commun, c'est vraiment un désir de créativité, de passion, d'ambition. Faites des rencontres, identifiez, créez, développez des opportunités de business.
gratuité. Hein? Hello la famille, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va super, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel, hein, le quatrième lundi du mois, pour parler encore une fois de community management. Mais cette fois-ci, on va parler d'irréputation et de comment gérer une irréputation. Pour ce faire, comme d'habitude, je ne suis jamais seul pour aborder de très, très beaux sujets. J'ai deux personnes qui vont m'accompagner, une que vous connaissez déjà et une nouvelle personne dans la famille 10 000 codeurs. On va commencer par la nouvelle personne. Bonsoir, Baya. Bonsoir, Chéjou. Comment vas-tu? Ah ben, ça va super bien et toi? On reprend les activités en présentiel, même si on est en virtuel, mais ça fait plaisir de voir les gens face à face. Ouais, effectivement, on est toujours dans cette période de mi-confinement, mi-pandémie, bon bref. C'est assez compliqué, mais bon, je crois qu'on a tous eu à bien regarder nos webcams pendant pas mal de mois avec cette pandémie. Autre grande sœur dans la salle, évidemment, Bérénice Kouassi. Comment tu vas? Ça va bien, Chéjou, et toi? Ah, moi, ça va toujours super. Très bien. Alors, comme vous l'avez bien lu dans nos différentes publications avant le webinaire, on va parler d'irréputation. Alors, de façon très simple, Baya, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la irréputation? Pour la simplifier, en quelques mots, en fait, la irréputation, c'est vraiment l'image, se définit un peu par l'image véhiculée ou subie. Parfois, c'est une image qu'on subit, c'est pas, on n'est pas en charge, on n'a pas contrôle de cette image qui se trouve sur le web d'une entreprise, d'une marque, d'une personne, d'un produit ou autre. Donc, simple exemple, quand vous googlez votre nom, bah, c'est votre irréputation, ce qui apparaît, les commentaires, si c'est positif, c'est négatif, les images, tout le contenu derrière. Super, super. Donc, je te retiens deux choses, image subie, image voulue. Alors, du coup, Bérénice, est-ce que tu peux expliquer aux personnes ce que c'est que l'image subie et l'image voulue dans l'irréputation? Alors, l'image voulue dans l'irréputation, c'est l'image que l'entreprise véhicule. Donc, comment je publie sur les réseaux sociaux, les sujets sur lesquels je veux parler. En fait, comment je veux que mes clients perçoivent ma marque, c'est l'image voulue. Et l'image subie, c'est tous les avis, tout ce que le consommateur perçoit et comment il considère ma marque ou mon entreprise. Les avis sur Google, sur les réseaux sociaux, les avis des influenceurs, les avis spontanés en fait de nos consommateurs et des prospects ou des clients potentiels. Donc, ça fait la différence entre l'image que l'entreprise veut avoir sur les réseaux sociaux ou sur Internet, sur la plateforme généralement Internet, et l'image qu'elle subit, donc l'image qui n'est pas forcément celle qu'elle veut, mais qu'elle subit par ses clients et ses prospects. Parfait, parfait. Alors, comme je voulais rappeler, on a une nouvelle personne dans la team 10 000 codeurs, Baya, qui est à Tunis. Et donc, avant qu'on continue, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais concrètement au quotidien? C'est vrai que tu publies pas mal sur Facebook. Mais bon, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais? En fait, ouais, je vais répondre par l'inverse, en fait, par raconter une sorte d'anecdote, puisqu'on parle de réputation et d'image voulue et d'image souhaitée et d'image subie dans le cadre de la thématique de ce soir. En fait, la semaine dernière, j'ai posé la question sur mon feed d'actualité Facebook. On me demande souvent qu'est-ce que je fais dans la vie ou de me présenter, mais qu'est-ce que vous savez de moi? Parce que j'ai tendance à faire plusieurs choses en même temps, de porter plusieurs casquettes. Et à un moment, voilà, je voulais savoir mon public cible, c'était quoi l'image qu'il avait de moi et c'était quoi la casquette ou l'étiquette qui me collait. Donc, jusque-là, c'est bon, il n'y avait pas de fausse piste. Et en gros, je suis consultante et formatrice en communication et en marketing numérique. Je suis également enseignante universitaire, conférencière internationale, je fais des podcasts. D'autre côté, je collabore avec des entrepreneurs, que ce soit en tant que mentor, que formatrice, mais également, je porte la casquette du réseau international Startup Green. Donc voilà, j'essaie d'avoir du temps libre et à chaque fois, j'ai des activités.
en général liées au domaine de la communication et du marketing numérique, que ce soit en formation, en coaching, en accompagnement ou même en bénévolat. D'accord, super. Eh ben, du coup, avant de continuer, moi, j'ai lu, bon, moi, je sais que tu as ton projet à côté, tout ce qui est digital, enfin, tout ce qui est digital. Comment est-ce que les gens perçoivent justement le digital? C'est quoi la e-réputation du digital, en fait, en Tunisie, ou du marketing numérique? En fait, c'est le projet que j'ai lancé, que j'ai fait un teasing jusque-là, mais après, il y a eu l'été et tout, c'était une période creuse, et surtout, ouais, l'actualité en Tunisie n'était pas très stable. Donc, c'est parti d'un constat où c'était des clients, des personnes qui venaient vers moi, ils me disent, qu'est-ce que tu fais? Je leur dis, moi, je fais cette partie du digital. Par exemple, moi, je ne touche pas au référencement. C'est vrai, j'ai des notions, mais genre, je ne suis pas tous les jours en train de chercher les mots-clés les plus adaptés à travailler le référencement d'une marque ou d'un site ou d'autre. Donc, je ne fais pas cette prestation. Donc, je me spécialise dans certaines prestations. Et il y a des gens qui me disent, voilà, qu'est-ce que tu fais? Tout ce qui est digital, mais tout ce qui est, tu fais quoi? Tout ce qui est comme. Et donc, voilà, c'est parti d'un un peu une abréviation, mais un peu tordu. Donc, digital, ce n'est pas le digital. On a des aberrations parfois où la semaine dernière, j'étais en formation avec des entrepreneurs. Et la question, le icebreaker, disons, c'était pour vous, c'est quoi marketing digital? Et c'est parti, mon kiki, comme on dit, c'était vendre. Vendre quoi? Vendre mes produits. Qui va le faire? Ah, je recrute une personne qui va faire un shooting. Maintenant, c'est la nouvelle tendance, shooting et vidéo. Et elle va me vendre mes produits. Et je posais la question, supposons que vous trouvez le meilleur photographe, vous trouvez Spielberg pour la réalisation et tout. Est-ce que vous avez une capacité, genre, de faire des photos tous les jours et, genre, votre production derrière, vous êtes une petite structure, vous avez une production limitée. Donc, disons que c'est bon, le digital, il a fait son boulot, il a ramené du trafic vers la boutique ou voir votre site, ou même votre page Facebook. Est-ce que vous avez la capacité de vendre une certaine quantité tous les jours? Ah, ben non, nous, on est une petite structure. Donc, là, il faut revoir. Et qui va faire? Toutes ces questions existentielles, en fait, pour le digital, elles sont vraiment un peu, genre, écartées ou même pas pensées. Je suis sur le digital, et pour certains, malheureusement, on leur a fait croire que, voilà, tu es sur le digital, tu vas vendre immédiatement. Alors, vous le savez tous les deux que, voilà, il faut une réputation, une notoriété. Le client, il ne va pas venir acheter chez vous parce sans vous connaître. Et il y a l'autre côté aussi, l'autre erreur par rapport au digital, que les ads, c'est une baguette magique. Tu as fait des ads, tu as dépensé quelques dollars et c'est parti, c'est rupture de stock et les gens vont s'arracher votre produit. Alors que non, vous avez beau faire des ads, mais parfois même la publicité, elle est mal faite, mal composée, très longue, le visuel il n'est pas adapté, il y a beaucoup de hashtags et ça fait mal aux yeux. Donc, il y a plusieurs facteurs où vous avez fait l'effort, vous avez dépensé de l'argent en termes de ads, mais ça ne va pas suivre derrière. Sans pour autant, il y a des produits ou des enseignes et des restaurateurs, peut-être le cas le plus simple, ou qui ont une mauvaise réputation et une e-réputation très négative et une image très négative. Donc, on a beau faire tous ces efforts de com, il y a vraiment… Par exemple, il y avait une enseigne en Tunisie qui était une parfumerie, qui était le leader à une époque, mais ils ont beau faire la com, ramener les meilleurs mannequins et influenceuses pour leur campagne, mais de l'autre côté, ça ne va pas suivre parce qu'en boutique, bah, c'est connu, leurs vendeuses sont arrogantes et parfois même impolies, elles accueillent mal les clients ou parfois elles accueillent les clients selon leur habit et leurs vêtements. Si elles sont, la cliente elle est bien habillée, bah, elle est bien accueillie. Si elle est mal habillée, bien sûr, selon leurs critères à elle, bah, elle est mal accueillie. Donc, le client, la marque, elle a fait tous les efforts derrière. Et les ventes, ils ne vont pas suivre, ou même les fréquences, le web to store ne va pas suivre parce que tout simplement, il y a un problème qui coince au sein de la boutique. Effectivement, tout à l'heure, tu as parlé de même pour vendre, il faut être connu. Donc, c'est important parce que moi-même, je me rappelle, j'ai souvent eu cette observation-là ici au Cameroun. Disons qu'il y a, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des marques comme Orange Cameroun et MTN Cameroun, des télécommunications. Quand tu vas vers une vendeuse Callbox, donc ceux qui vendent du crédit de communication, quand tu lui dis que tu veux faire un transfert de crédit ou un achat de crédit, elle te dit toujours MTN ou Orange. Donc clairement, même pour vendre, il faut être connu. Ça veut dire que la vendeuse a déjà en tête deux ou trois marques
Alors qu'il y en a d'autres, hein, mais les plus connus qui sont bien présents, qui ont déjà un esprit dans son cerveau, vont pouvoir mieux vendre que ceux qui sont un peu moins connus. Et l'histoire des caissières, bon, ça, je pense que c'est vraiment général, parce que même chez nous, dans des boulangeries ici au Cameroun, non seulement elles sont très mal polies, mais même pour le problème de monnaie, de remboursement, c'est assez compliqué. Et des fois, les boulangeries en question n'ont aucun problème. Ça veut dire que le chef à l'intérieur, il fait bien la viennoiserie, il fait bien les gâteaux, tout est nickel. Mais le simple fait que la serveuse vous reçoit très mal, vous parle comme si vous avez 5 ans et surtout vous dit qu'il n'y a pas de monnaie et gère autres activités, ça fait malheureusement en sorte que la boulangerie en question aura une mauvaise réputation. Et puis, on va se demander qu'est-ce qui se passe alors qu'en fait, le problème est juste au niveau du front desk. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est un peu l'image subie, malheureusement. Et donc, pour revenir un peu à Bérénice, est-ce que pour toi, l'image subie, en fait, a un réel poids dans la construction d'une réputation d'une personne? Oui, bien sûr. Vu l'exemple qu'on a donné tout de suite avec des clients qui sont mal accueillis en boutique, c'est sûr que l'irréputation subie est très importante. C'est un poids considérable dans le choix, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout ce qui se passe sur Internet, les gens font le choix d'achat d'un produit ou d'un autre par rapport aux avis qu'ils ont, par rapport aux avis des amis, par rapport aux avis qu'ils voient sur Google. Donc, c'est vraiment très important. Pour moi, c'est vraiment capital pour une entreprise de faire attention à son irréputation, surtout l'irréputation subie. Super, super. Alors, au début de notre webinaire, on a vu passer un spot Adicom Days à la saison 5 qui sera très bientôt dans les bacs, Abidjan et Dakar, bien évidemment. Et qui dit Adicom Days, forcément créateur de contenu. Les influenceurs du continent africain seront là. Donc, du coup, ma question, est-ce qu'on peut avoir une irréputation sans avoir de compte et passer juste par des créateurs de contenu, des influenceurs qui vont faire le boulot pour nous sur les réseaux sociaux? Je commence à Bayer. En gros, oui, c'est faisable. Mais à un moment, il faut vraiment contrôler. Je vais revenir un peu en arrière, il y avait beaucoup de personnes au début des réseaux sociaux, avant que ça devienne en vogue comme maintenant, et avant qu'il y ait cette multitude de réseaux sociaux entre Facebook, Instagram, TikTok et autres, il y avait des clients ou des personnes qui te disent « Moi, je ne veux pas être sur Internet pour éviter les bad buzz. » Donc, genre, je ne suis pas dans la chambre, donc je ne vais pas avoir de problème. Chose qui n'est pas vraie. Alors, comme vous le savez, tu viens de le mentionner chez Jules, l'exemple, quelqu'un d'autre pourra produire du contenu pour nous. Dans ce cas, les influenceurs, ils sont mandatés par cette marque. Du coup, on contrôle un peu le narratif, on contrôle un peu l'information qui est mise, l'efficacité et est-ce qu'elle est véridique ou pas, cette information. Mais parfois, quand d'autres personnes publient des informations sur vous, c'est une information erronée et ça peut partir de bonne intention. Là, on ne parle pas de personnes mal intentionnées. Parfois, ils partent d'une bonne intention, ils voulaient publier quelque chose et c'est une information erronée. Et du coup, si vous n'êtes pas là présent, l'influenceur, OK, ça va être un contrat, disons, ou une prestation, genre tu produis du contenu pour une période bien déterminée. Et après, hasta la vista, tu es payé, l'influenceur est payé. Et voilà, on a le contenu de 1. Ce n'est pas votre canal, donc le jour où cet influenceur va décider de supprimer ce contenu parce qu'il a été payé et cette situation est arrivée à plusieurs marques, malheureusement, il y a des personnes qui ne sont pas professionnelles, donc vous allez vous retrouver à la case départ. Autre chose, une fois que la collaboration avec cet influenceur est terminée et quelqu'un d'autre va poser des questions, on va parler de jour, genre un truc bien simple, à quelle heure ferme la boutique ? Le numéro de téléphone pour réserver ou pour demander une information, l'adresse exacte. Et donc, vous allez demander à l'influenceur, ce n'est pas le rôle de l'influenceur de répondre à ces informations-là. Et donc, comment garder ce lien avec sa communauté si on ne va faire qu'une campagne avec les influenceurs pour une durée bien déterminée? Donc, à un moment, il faut contrôler contrôler carrément, oui, je voulais trouver un autre terme plus simple, mais vraiment contrôler le narratif et ce qui se dit sur nous. En cas où il y a un problème ou une information, on est les premiers à l'accueillir et à réagir s'il y a besoin. Super. Évidemment, vous avez compris, on peut avoir une présence, enfin, on peut avoir une réputation avec les créateurs de contenu. Mais Bérénice, même en faisant cette
cet axe de communication, il faut quand même se rassurer de la bonne irréputation de ces influenceurs. Bien sûr, c'est très important. On peut avoir des problèmes après. Il faut que l'irréputation de l'influenceur soit en adéquation avec les valeurs de la marque pour que la marque puisse maîtriser son image sur les réseaux sociaux. C'est vraiment très important. C'est ce qu'on a rencontré au début de notre agence de communication. C'était difficile d'expliquer aux entreprises que ce n'est pas seulement d'avoir un influenceur qui a une grosse communauté, mais c'est d'avoir un influenceur qui répond aux besoins de la marque. Donc, au fur et à mesure, là, ça fait quelques années que les entreprises commencent à comprendre que associer son image à un influenceur, c'est très délicat. Donc, il faut prendre les mesures adéquates, comme disait Baya tout à l'heure. Il faut pouvoir contrôler le contenu qui est publié sur les réseaux sociaux. Donc, la marque doit suivre un peu ce que font les influenceurs. C'est très important. Sinon, on n'est pas à la... On peut avoir un bad buzz imprévu. On y arrive à ce mot bad buzz. C'est vraiment un thème très intéressant, mais on y arrive. Mais avant, dans le métier de community manager, justement, il y a cette gestion de la présence et de la réputation. Donc, clairement, le CM doit pouvoir en même temps animer une communauté, mais aussi s'occuper de la présence, de la réputation d'une entité sur les réseaux sociaux. Alors, comment ça se passe au quotidien pour un community manager? Est-ce qu'il va faire de la veille? Est-ce qu'il y a des outils dédiés? Est-ce qu'il va tout le temps surveiller les conversations partout? Comment ça se passe selon vous pour un community manager de gérer la réputation au quotidien d'une entité? Je pense qu'il y a, en tout cas de mon côté, il y a des outils qu'on peut utiliser pour vérifier un peu ce qui se dit sur les réseaux sociaux, pour voir un peu les mots-clés, comme on disait tout à l'heure. C'est très important au quotidien pour un community manager de faire de la veille concurrentielle et de la veille de ce qui se dit sur les réseaux sociaux grâce, par exemple, à des hashtags. Essayer de voir, par exemple, le matin, en mettant hashtag 10 000 codeurs, qu'est-ce qu'on a comme information sur les réseaux sociaux. Donc, ça permet un peu de surveiller la présence en ligne et de répondre aussi à, déjà répondre à des commentaires aussi, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc, le community manager, ce qu'on nous apprend comme base, c'est qu'il ne faut pas forcément supprimer un commentaire négatif. Parce que supprimer un commentaire négatif, ça peut créer une frustration, ça peut créer un problème plus gros. Donc, c'est déjà savoir bien répondre aux commentaires, savoir vérifier un peu ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Quotidiennement, c'est très important pour un community manager. Alors, vous avez compris. Je voudrais, en fait, pour la suppression des commentaires, il y a les captures d'écran qui existent. Donc, imaginez après quelqu'un qui vous poste « Ok, la marque X m'a censuré et c'est parti. » Mais sinon, pour les pratiques, c'est un mix aussi de ce que Chejo a dit. C'est de la veille, c'est des outils, c'est des mots-clés aussi. On va sur Internet, on suit les hashtags. Mais par exemple, déjà sur la page ou les canaux officiels de la marque ou de la personne ou du parti politique ou du média ou de ce que vous voulez, il a ses propres pages Facebook, Instagram et autres. Donc déjà, vous avez les commentaires, les types de commentaires, de réclamations, déjà qui vont nous permettre un peu en tant que community manager de voir s'il y a une crise en ébullition, disons, de voir déjà c'est qui la personne qui pose la question, qui se révolte, qui est insatisfaite. Une petite recherche déjà normalement basique du côté de community manager lors de la réception d'une sorte de certains types de commentaires, donc de cliquer sur le profil, de voir est-ce que c'est un profil, c'est un habitué, c'est une nouvelle personne, le profil, est-ce qu'il a des affinités par exemple avec le concurrent ou des personnes de l'agence concurrente, si c'est un fake profil, il est nouveau ou pas. Donc c'est des petits détails déjà pour voir si c'est un troll, c'est pas un troll. Donc c'est des petits détails déjà à voir sur nos canaux pour voir de quoi il s'agit, essayer d'avoir le maximum d'informations. Et c'est pour cela, c'est recommandé. Déjà, la première recommandation, c'était de ne pas supprimer. La deuxième, c'est de diriger vers la messagerie privée, c'est sur votre canal, pour éviter déjà l'effet de foule et des gens qui viennent intervenir sans pour autant être concernés, de un. Et de deux, pour rassurer la personne, déjà pour prendre des informations personnelles, parfois son numéro de téléphone, parfois son numéro de carte d'identité, parfois même sa carte bancaire. Donc déjà, c'est des informations privées, donc de préférence que ça soit fait en privé. Et deux, pour rassurer la personne, pour prendre la réclamation et pour essayer d'avoir le maximum d'informations du côté de ce client mécontent pour
lorsqu'on remonte l'information, bah, le community manager, il a toutes les informations. Il ne va pas venir vers son client ou vers le vis-à-vis ou la personne en charge au sein de l'entreprise. Tiens, il y a Sheju qui est insatisfait. OK, Sheju qui. Ah, attends, je lui demande son numéro de carte d'identité ou son numéro de téléphone. Bonjour. On revient 2 heures après, le temps que Sheju y répond. Imaginez déjà la frustration des 3 côtés, là. Ça, de 1. Deux aussi, il faut faire attention, comme l'a dit Benaïs, c'est qu'il y a les sites web, mais aussi il y a la tendance depuis, disons, les 2 dernières années, c'est les groupes privés à thème où on trouve des jeunes ou des personnes qui sont liées. Par exemple, nous, ici en Tunisie, pour les restaurants, c'est un must de faire de la veille sur un groupe qui s'appelle « En homme rongeux pour vous ». C'est un groupe où les gens ils postent des bons plans ou des mauvais plans de restaurants. Il y a un autre qui s'appelle « Les bons plans Tunisie ». Parfois, oui, c'est du fake. Parfois, c'est du véridique. Parfois, c'est déguisé en pub. Parfois, c'est des personnes mal intentionnées. Mais la veille, elle sert un peu à ça et à voir qu'est-ce qu'on nous critique, pour quel point l'hygiène, le service, le parking, la pancarte à l'entrée. Donc, c'est des petits détails, voilà, à voir et à surveiller de près. Et pour, bien sûr, ça nous permettra de voir si par la suite, on pourra réagir autant et éviter le fameux bad buzz et la catastrophe. Et pour rebondir un peu sur ce que Baya dit, c'est aussi, il faut bien cerner les sujets sensibles. Je sais que pour certaines marques, il y a des sujets qui sont très sensibles, comme l'hygiène pour une marque, un restaurant, etc. Donc, c'est ces sujets sensibles-là que le community manager doit maîtriser en cas de plainte ou de commentaires négatifs. Effectivement, j'allais renchérir. Je pensais que tu allais parler du groupe Un Consommateur. Un Consommateur, Abidjan, qui est un peu similaire à ce que... Voilà. C'est aussi un groupe très influent, Facebook sur Abidjan, qui vraiment donne le pouls, en fait, sur pas mal d'activités. Donc, beaucoup de gens se réfèrent, en fait, à ces groupes parce que ce soit même du fake ou publicité déguisée. Mais au moins, c'est un bon baromètre. Mm-hmm. Pour un peu savoir ce qu'on dit de nous, et ça peut aider les gens à prendre leurs décisions. Exactement. Donc, c'est aussi important d'avoir aussi une bonne image, polir, et pas seulement la bonne image en ligne, parce que la bonne image en ligne ne fait pas tout. Il faut l'avoir vraiment en vrai pour qu'on soit rassuré. Et donc, du coup, on va commencer un peu à parler du buzz. Pour ceux qui veulent se faire connaître sur Internet, donc commencer à bâtir une réputation, est-ce que pour vous, vous conseillez de créer un buzz autour de soi pour bâtir une réputation autour, ou bien aller par les étapes classiques avec une bonne stratégie de communication digitale? Est-ce que le buzz peut vraiment être un bon levier? Pas le bad buzz, je parle d'abord du buzz, c'est-à-dire un buzz positif autour de soi pour justement poser les bases de sa réputation. Oui, je pense que le buzz peut être un bon levier, mais il faut que ce soit un buzz, comme on dit, que ce ne soit pas fake, en fait, que le buzz fasse partie de la stratégie. C'est-à-dire que, par exemple, pour le lancement d'un nouveau produit, on peut faire un buzz sur un hashtag, on peut faire un buzz sur une énigme, et tout le monde commence à se demander, ah tiens, on parle du rouge, du bleu, du rouge, du bleu partout, et c'est un buzz, en fait, qu'on crée autour du lancement du produit. Mais c'est un buzz qui est maîtrisé. C'est un contour d'information maîtrisé. Si quelqu'un nous pose des questions dessus, on sait répondre. En fait, on sait où on va en mettant en place une sorte de teasing ou de jeu concours, etc. Mais pour moi, le buzz normal, qui n'est pas un bad buzz, qui est maîtrisé, c'est un bon levier de communication parce qu'il permet d'apporter un peu de notoriété et de diffuser vraiment une information à plus grande échelle. En fait. Et je pense que pour moi, c'est vraiment... un bon levier marketing. Super. Je pourrais ajouter quelque chose. Voilà, c'est une bonne stratégie. Le buzz, c'est de la visibilité. Et parfois, c'est gratuit, c'est quand c'est maîtrisé. Je donnerai peut-être l'exemple d'une campagne de KFC il y a eu quelques années. Vous savez que KFC, c'était quoi? 5 herbs. J'ai oublié la recette magique, 5 herbs. Ah, voilà, 5 spices, c'est soit 5 épices et 11 herbes ou c'est l'inverse. C'est 11 herbes et 5 épices. En tout cas, sur Twitter, ils ont unfollowé tout le monde. C'était 5 épices. Ils ont followé les 5 Spice Girls et ils ont followé 11 mecs intitulés herbes, un truc comme ça.
Et ils ont patienté. Bon, on sent un peu, connaissant un peu les coulisses des marques et travaillant dans le domaine, que c'était pas très, très, très spontané. En tout cas, même lors dans la récap de la campagne, ils te disent, on a patienté. Et finalement, quelqu'un a fait un tweet, il dit, il y a le camp de KFC qui n'est en train de suivre que 5 épices et 11 herbes. Mais c'est leur recette secrète. Et c'est parti dans tous les sens sur Twitter. Il y avait les plats lourds, ça s'était diffusé dans les télés. Et même, ils étaient dans les premières places de discussion sur Reddit, ce qui est très luxueux et élitiste pour une marque de faire partie des discussions sur Reddit. Et même une autre fois, le mec qui avait découvert l'histoire des 5 épices et 11 herbes, on lui a fait un tableau qui était sur Reddit. Et donc, voilà, c'était un buzz. C'était une campagne pour mettre l'accent sur la recette secrète de KFC et toute l'histoire de KFC. Et c'était très simple. Et généralement, ça n'a coûté que, en théorie, peut-être le mec qui était payé pour faire le tweet, mais en théorie, c'était $0. Et imaginez l'impact qu'ils ont recueilli en termes de publicité. S'ils avaient pu payer cette publicité, ça leur a coûté des millions et des millions de dollars. Donc oui, pour répondre à la question de Cheju, oui, le buzz, si c'est bien maîtrisé, comme elle vient de dire, et si c'est bien, ça fait partie de la campagne, et c'est pas tiré par les cheveux, le buzz pour le buzz. Et parfois, on tombe dans ce piège qu'on fait, on essaye de pousser, et à un moment, ça se retourne contre nous, on a l'effet contraire, et c'est pas bien maîtrisé, et ça part dans tous les sens. Et au lieu d'avoir une bonne campagne du positif, et tout le monde est heureux, on se retrouve à gérer une crise. Du coup, l'effet contraire, c'est le bad buzz, malheureusement. Et on a aussi des petits cas des gens qui veulent créer un faux bad buzz pour se faire connaître et malheureusement tomber dans un vrai bad buzz. Et généralement, c'est assez drôle, moi, quand je vois, parce que la maîtrise n'y est pas du tout. Hein, et on sent juste que les gens ont voulu se laisser un peu entraîner par la vague des réseaux sociaux. Allons-y créer un bon faux bad buzz. On va un peu se demander et patati et patata. Donc, du coup, est-ce pour vous le bad buzz? Bon, après, clairement, l'humilier a aussi posé les bases d'une irréputation et pour le coup d'une bonne irréputation. On a été un peu coupé, du coup, je n'ai pas entendu la question. Cheju, je ne sais pas si Baya a entendu. Pareil, en fait, Cheju, si tu peux répéter la question. Je demande, en fait, est-ce que le bad buzz, vous m'entendez maintenant? Je crois que ça coupe un peu, Cheju. Ça entrecoupe. On a entendu, est-ce que le bad buzz... Voilà. Oui, est-ce que le bad buzz, en fait, peut servir à poser les bases d'une bonne irréputation? Comment est-ce qu'on va transformer la mauvaise image que les gens vont avoir de nous pour la transformer en une bonne image? Ça pourra nous permettre déjà de détecter certaines anomalies dans notre marque, dans notre circuit de distribution, dans notre packaging, dans notre service en général, qu'on pourra améliorer par la suite. Parfois, c'est même pas la base pour la irréputation, mais même pour l'amélioration du produit, du service, de la boutique, du point de vente, de l'accueil, de tout ce que vous voulez, même du prix. Parfois, le prix qui était fait était très cher par rapport à ce que les gens sont prêts à payer. Il n'y a pas eu une étude de marché faite au préalable, ou peut-être que ce n'était pas la bonne cible. Donc, ça permettra à la marque ou à l'enseigne de redresser certaines choses qu'elle est en train de faire déjà. Et oui, ça peut aider pour dresser la base de la réputation, de voir l'image perçue et d'essayer de corriger un peu cette image subie par des internautes pour une raison ou pour une autre. Parfait. Alors, j'ai vu une question passer sur Facebook. On nous demandait quelle était la différence entre l'irréputation et le branding. C'est quoi la différence entre la irréputation et le branding? Alors, le branding, pour moi, c'est tout ce qui permet de reconnaître une marque. Tout ce qui rentre dans le logo, les couleurs du logo, le packaging, voilà, tout ce qui permet de reconnaître une marque, ça fait partie du branding.
Et l'irréputation, comme on disait tout à l'heure, c'est plutôt l'image que l'entreprise véhicule sur, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Voilà. Donc, c'est vraiment branding, logo, marque et irréputation, image qu'on véhicule sur Internet. Pareil pour toi, Baya ? Ou bien il y a... Peut-être, qu'est-ce je voudrais, moi peut-être en lisant la question tout à l'heure, j'ai tout de suite réfléchi à plutôt personal branding. Et ouais. Là, j'irai vers image véhiculée et image souhaitée. Donc, l'image, le personal branding, bah, c'est notre marque personnelle. Comment on se présente, comment on veut être perçu. Mmh. Et l'image et la réputation peut être les deux. Une partie de votre personal branding, mais aussi des choses que vous subissez ou du contenu que vous publiez pas forcément, mais où il y a votre identité ou votre photo ou votre nom qui circule. Alors justement, moi, je vais te parler un peu de... On va dire... Les jeunes actuellement qui sont sur Internet, que ce soit même Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, on sait de nos jours que beaucoup de recruteurs sont connectés. Et vraiment, quand je dis beaucoup de recruteurs, ils sont de plus en plus connectés. Alors, comment est-ce que, selon vous, on peut attirer l'œil des recruteurs avec des bons contenus? Enfin, comment est-ce qu'on peut faire? Parce que je sais que beaucoup de gens, en fait, malheureusement, se flinguent un peu tout seuls. Ils sont peut-être partants pour être bien partis pour avoir un poste, un stage. Mais comme je le dis, les recruteurs ont des simples réflexes. Allez sur Google, tapez votre nom et puis commencez à voir apparaître des choses assez bizarres. Vous avez mis dans votre CV passionné de lecture, de danse, de voyage. Mais pourtant, quand on ouvre votre Facebook, en fait, on ne ressent pas la lecture ni les voyages. Mais on ressent plutôt autre chose, des passions que vous n'avez peut-être pas voulu partager avec votre recruteur sur votre CV. Donc, quels sont les petits conseils que vous pouvez donner aux gens? Vraiment pour, pas forcément affiner leur e-réputation, mais vraiment la contrôler, surtout ceux qui veulent être recrutés, parce que je parle surtout des gens qui sont en position d'entrer dans le marché de l'emploi et qui ne se disent peut-être pas, est-ce que c'est vraiment important? Ou alors qu'ils ne comprennent pas l'importance d'avoir une bonne e-réputation qui peut jouer énormément dans la sélection de votre profil. Je ne sais pas par où commencer parce que j'ai assisté à des pairs. Je fais du job hunting et je suis mandatée pour recruter des profils dans le domaine du digital, bien évidemment. Déjà, tu trouves le contenu, bah, c'est une bonne stratégie de se faire remarquer, de publier du contenu. Le truc que je vois, par exemple, quand je suis avec des étudiants, ils me disent, mais j'ai pas de contenu, j'ai pas fait de conférence et tout. Mais tu sais écrire, il y a des trucs qui te passionnent, bah, il faut pas hésiter à écrire. Comme à l'époque, on avait des blogs et quand les blogs étaient en vogue, t'es à l'aise. Cherche déjà en quoi t'es à l'aise. T'es à l'aise avec la vidéo, t'es à l'aise avec l'écriture, avec des présentations un peu folles que tu mettras sur Slideshare et tout. Et c'est du contenu que tu pourras mettre en ligne. C'est ta vision des choses. Ça ne veut pas dire qu'au début, tu dois être expert ou t'auto-programmer expert. Il y avait des personnes, en fait, un qui se présente à l'entretien. À l'époque, je travaillais dans l'agence et il y avait quelqu'un qui mettait qu'elle était membre active du Social Media Club Tunisie. Et à l'époque, je suis la cofondatrice du Social Media Club Tunisie. Et du coup, je connais tous les membres qui sont actifs. Et donc, la personne, elle se pointe. Il y avait mon collègue qui lui passait l'entretien à l'époque. Il me dit, tu connais X? Je lui dis non. Il me dit, t'es sûr? Oui. Bah, elle est avec vous. Ah bon? Quand? Montre-moi sa tête, peut-être. À un moment, j'ai culpabilisé, genre, je connais pas les gens. Ah non, ça ne me dit rien. Et au final, j'entre à l'entretien, je lui dis bonjour, on se connaît. Normalement, elle me dit non, non, c'est la première fois que je vous vois. Donc, il ne faut pas, règle numéro un, déjà, il ne faut pas mentir sur son CV ou même au moins faire la recherche sur l'institution ou l'organisme ou quand tu vas mettre, genre que tu as travaillé dans telle ou telle agence ou tel endroit. Au moins, ne pas mentir sur les tâches que tu as faites. Une autre fois, il y avait quelqu'un aussi qui s'est présenté à un entretien. On voyait son profil LinkedIn. Le mec,
Genre, il a tout fait dans le département digital de la boîte. Et comme par hasard, il y avait une amie qui vient rejoindre la boîte. Je lui ai dit, alors, elle me disait qu'elle se plaignait qu'ils n'avaient pas un bon community manager, qu'elle voulait recruter et ils n'avaient pas de stratégie et tout. Je lui ai dit, bizarre, il y a X qui vient de m'envoyer son CV par hasard. Et apparemment, il a tout fait dans votre boîte. Le mec, même, il a fait partie de l'équipe qui travaille sur la transformation digitale de la boîte. Elle me dit, attends, je suis nouvelle, je vais checker. Et quand elle check, il était le stagiaire. Il n'a rien fait de ce qu'il a mentionné, ni sur son LinkedIn, ni sur son CV. Donc déjà, les incohérences entre ce que vous faites en réalité et ce que vous dites faire, hein, il faut faire attention. Deux, aussi faire attention au copier-coller, parce que comme vous savez, on prend la partie sur Google et on voit, moi je vois quelqu'un aussi qui postule souvent et qui s'autoproclame expert, alors que la personne, elle est là que pour piquer les statuts et les posts d'autres personnes. Et il pique mot par mot. Et une fois, je lui ai fait remarquer sur LinkedIn que ça ne se fait pas parce qu'il a pris, il y avait une petite polémique d'une marque qui a été publiée dans un groupe spécial des communicants et des marketeurs. Il a repris le post de l'autre personne mot par mot, il a publié sur son LinkedIn. Donc, je suis venue sur un commentaire, lui dit, avant de pointer le doigt pour la marque, déjà, tu n'as même pas mentionné la source, tu as pris mot par mot ce que X a écrit, il a supprimé mon commentaire. Donc, et déjà, d'autres personnes, ils auraient pu le voir. Donc, OK, de s'inspirer, et presque tout le monde s'inspire de tout le monde, là. Et même, on peut être à l'autre bout de la planète, à la limite, on a presque les mêmes codes. On est connecté sur Instagram, on regarde Netflix, on a presque les mêmes références de séries. Voilà, moi, je suis une méga, méga fan de How to Get Away with Murder. Je suppose que je suis aussi. Donc, voilà. Et même si on va faire des reflets, on va se lancer des blagues. Voilà, on va connaître hein, les codes de la série ou Friends ou autre. Donc, c'est forcément, on a parfois les mêmes codes, les mêmes logiques, le même jargon. Et on s'inspire des uns des autres, mais pas forcément du copier-coller. Donc, ça, c'est des petits détails. Et n'en parlons pas aux ceux qui critiquent la boîte et deux jours après, ils postulent pour la boîte. Et parfois, c'est des critiques pas très constructives ou en essayant de faire l'intelligent, genre en rabaisse d'autres personnes en se croyant supérieur, genre pour attirer l'attention. Alors que ça ne se fait pas comme ça. Il faut être intelligent. Et grâce à Internet et la e-réputation, bon, on peut creuser, on peut voir les publications sur Facebook. J'avais un pote à l'époque, je finis avec cette anecdote, qui est allé passer un entretien. J'adore ce pote parce qu'il est très intelligent. Quand il est passé à l'entretien, la première personne qu'il a vue, il a vu que c'était un mec sportif, musclé et tout. Il n'y avait rien sur l'autre mec, tout était fermé sur son Facebook. Mais quand il l'a vu face à face, il a vu qu'il était sportif et tout. Donc, il a essayé d'orienter la discussion vers le healthy lifestyle et le sportif et tout. Et donc, oui, il était compétent, mais ça lui a fait gagner 2 points, la sympathie par rapport au recruteur. Deuxième entretien, c'était avec le Big Boss. Tu ouvres le profil Facebook, il adore, il est fan, tout ce que vous voulez, d'une équipe sportive tunisienne. Et il le crie sur tous les toits. Donc, l'autre qui ne connaît même pas l'équipe ou qui s'en fout éperdument de l'équipe, il a essayé de voir la sympathiser. Ah, tu fais partie de l'équipe. Ah, tu te rappelles. Il a fait quelques recherches. Tu te rappelles le but de X à le match. Hop, nickel. Le mec, il était compétent, mais aussi, ça lui a permis d'avoir ce capital sympathie, de sympathiser. Ouais. Et ça sert à ça aussi de faire ces petites recherches. Je ne dis pas stocker, hein, ou stalker plutôt. Et de faire le psychopathe, c'est juste de faire une petite recherche, voir un peu, même pour les futures discussions, pour voir même la personne, quel est son style, comment elle s'exprime, le mood. Il y a des petits détails, des petites subtilités qui peuvent faire la différence indépendamment du contenu général ou de son expertise ou de ses connaissances. Bon, voilà, très bien compris. Tu veux ajouter un truc, Bérénice? Oui, je suis entièrement d'accord avec ce qu'elle a dit, mais je veux juste ajouter aussi par rapport au sujet sur lequel on s'exprime. C'est-à-dire que aller mettre des commentaires dans des groupes, voir le ton, comment on s'exprime face aux autres, c'est très important parce qu'on ne sait jamais qui le voit après. On peut être dans un groupe, comme elle disait tout à l'heure, où on parlait du groupe en Tunisie ou un consommateur, aller parler sous un commentaire mal poli à quelqu'un qui demain sera en face de toi en tant que recruteur. Donc, c'est très, très important de contrôler le langage qu'on a sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, pour être sûr qu'on est en cohérence avec notre personnalité pour pouvoir décrocher le job qu'on veut.
Donc voilà, vous avez très bien compris l'importance vraiment d'avoir une bonne réputation, surtout pour ceux qui veulent bientôt se faire recruter ou qui ont déposé des CV. Vraiment, sur Twitter, je sais que beaucoup sont sur Twitter, ils aiment, on dit que sur Twitter, la parole est plus libérée que sur Facebook. Donc clairement, beaucoup des gens vont émettre des avis sur les ambassades, sur les entreprises, et sont généralement surpris quand on les reçoit et puis on leur montre. Moi, j'ai eu un ami... Pour une entrevue à une ambassade, on lui a montré la capture d'écran de son tweet qui critiquait le pays dans lequel il voulait faire des études. Et quand on lui a montré cette capture d'écran, il a été étonné qu'on ait pu, on ait pris le temps d'imprimer sur un grand format son tweet pour lui montrer en fait, mais c'est incohérent parce qu'on a vu ta lettre de motivation et on se demande comment tu peux nous dire que tu as envie d'y être et pourtant derrière tu fais des tweets, on va dire... tellement à l'opposé. Et pour le coup, on a plus envie de croire en tes tweets qu'en ta lettre de motivation. Et c'est ça le problème. Donc, clairement, vraiment. Ou alors, vous restez cohérent. Si vous n'aimez pas un pays, dites que vous n'aimez pas le pays. N'allez pas chercher à y aller. Vous n'aimez pas une entreprise, n'aimez pas l'entreprise, n'utilisez pas ses services et n'allez pas postuler. Parce qu'après, ça devient même assez drôle pour le recruteur de vous recevoir parce qu'il connaît la suite. Mais il veut juste voir si vous allez venir. Il va mener un peu l'entrevue pendant 2-3 minutes. Et après, il va vous dire, bon, écoutez, on va un peu mettre fin à la mascarade. Et puis, bon, voici ce qui se passe clairement. Donc, vraiment, nous, ça nous surprend beaucoup que vous ayez le courage d'arriver jusqu'ici pour continuer à postuler. Mais bon, soyez très cohérents sur Internet. Veillez à votre réputation. C'est très important. On va terminer par nos chers amis les trolls. Alors, avant de parler des trolls, je sais qu'il y a beaucoup de community managers qui s'amusent à créer des faux profils pour toujours venir commenter les publications des marques qui gèrent sur Internet. Moi, ça me rappelle pas mal de mèmes que j'ai souvent en tête. Des gens qui s'auto-congratulent, ils font une publication, ils débarquent avec un faux profil. Super, super, super. Quand on va découvrir ces faux profils, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Les bad buzz vont pleuvoir. Alors, pour les trolls, je sais que ce sont des internautes nuisibles qui sont là pour tester un peu nos capacités. Dernier conseil, comment est-ce que vous gérez les trolls? Ou du moins, comment est-ce que vous pouvez conseiller à des community managers de gérer des trolls sur les réseaux sociaux? Déjà, il faut Je te laisse, Maya. Juste cette petite phrase qui est très connue, « Don't feed the troll ». Il ne faut pas alimenter les trolls parce qu'ils se nourrissent en fait de l'énergie que vous leur donnez, du temps que vous leur donnez et de l'importance que vous leur accordez. Voilà. Bérénice? Entièrement d'accord avec elle. Et ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est qu'il faut bien être sûr que c'est un troll. Voilà, déjà. Alors oui, donc pour ceux qui n'ont pas compris, le troll... c'est généralement un internaute nuisible qui est là pour tester vos limites. Vous publiez, je ne sais pas moi, une infographie, vous avez fait le temps de faire une bonne recherche d'informations, il va mettre en commentaire, c'est faux. Ce n'est pas que c'est vraiment faux, hein, mais il veut vraiment voir si vous allez venir confronter à lui. Ou alors, des fois, il vous dit, quelle est la source? Vous mentez, vous êtes des bandits, vous êtes des voleurs. Attention, ne rentrez pas dans son jeu. C'est ce qu'il veut, en fait. Il veut vous amener plus bas que terre. Hein? Il veut vraiment vous tester, voir si vous allez lâcher votre sang-froid. Parce que je le rappelle encore une fois, quand on est community manager, quand on est social media manager, ne venez pas dans ce métier si vous avez un sang chaud. Vous avez un sang chaud, vous êtes très réactif au moindre commentaire haineux, enfin, au moindre commentaire négatif. Ce n'est pas un bon métier pour vous. Ce n'est pas le bon métier pour vous parce que vous êtes tout le temps à avoir envie de réagir, de bavarder, de vouloir taper trop fort et vous allez malheureusement impacter la marque pour laquelle vous travaillez. Et je pense que pour terminer, je pense que tout le monde connaît pratiquement cette notion, l'effet Streisand, qui en marketing montre à quel point le simple fait de vouloir taper trop fort sur les internautes, qui peut-être ne sont pas des trolls, mais je veux juste avoir des informations, va montrer un peu votre côté un peu autoritaire. Et comme je le dis toujours sur Internet, les gens sont là pour défendre la veuve ou l'orphelin. Donc, clairement, ce n'est pas vous la marque qu'on a envie de défendre, mais plutôt l'internaute sur lequel vous êtes en train de taper trop fort. Et lui, il va avoir justement le soutien
même de votre communauté, et on ne peut pas se retourner contre vous pour agir. Donc, faites gaffe, les amis, la e-réputation, ça ne blague pas du tout. Ayez de la cohérence sur vos contenus, soyez posés, soyez un peu réfléchis dans vos actes. Hein? C'est pas parce que tu as un clavier entre tes mains, tu dois tout le temps tweeter, tout le temps publier. Hein? Beaucoup de gens qui regardent les émissions télé ou les séries ont justement le réflexe. Moi, je le fais avec les matchs de football. Mais bon, je n'incite pas les joueurs de football. Hein. Je réagis juste par rapport au match. Mais au moins, j'essaie de tempérer et je donne quand même mon avis sur deux ou trois choses. Mais je reste cohérent dans ce que je dis. Donc voilà, je pense que vous avez appris pas mal de choses sur la gestion de la e-réputation. Si vous avez pas mal d'autres questions, vous pouvez les poser sous la vidéo en question. Il y aura les replays, donc forcément, vous allez pouvoir avoir la possibilité de revenir au début de la vidéo pour écouter nos deux grandes sœurs, Baya et Bérénice. Un dernier mot, Oubia, toi été balayé en termes de réputation. Baya. Ben, je commencerai par dire, il y a le fameux dicton ou le cogito de Descartes, je pense, donc je suis. Et avec les réseaux sociaux, je poste ou je m'exprime, donc je suis. Et comme vous le voyez un peu partout, vous trouvez un internaute lambda qui s'y connaît en football, en politique, en aérospatial, en sport, en médecine, avec le Covid, on a eu les experts et tout. Donc déjà, il faut faire attention à ce genre de personnes qui virent au troll, comme venait de mentionner Cheju. Et sur les réseaux sociaux, en fait, même vous avez beau supprimer ce que vous avez publié, mais Internet n'oublie pas. Donc, tout ce que tu diras pourra et sera retenu contre vous un jour ou un autre, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 1 heure, on ne sait jamais. Et surtout, peut-être il y a l'erreur qui est commise avec l'éphémère. Quand on poste une story, un truc qui ne dure que 24 heures, non, ça va disparaître. Non, il y a toujours les captures d'écran et les enregistreurs d'écran. Et donc, il faut faire gaffe à ce que vous publiez parce que sera et pourra être retenu contre vous. Et pris hors du contexte aussi, et plusieurs crises ont eu lieu ou plusieurs bad buzz ont eu lieu parce que l'information ou une partie ou une séquence a été prise hors de son contexte. Et du coup, c'était vraiment une catastrophe et un vrai cauchemar pour la personne ou pour la marque. Parfait. Bérénice ? Alors moi, pour conclure, je peux dire que si il y a des jeunes ou des personnes qui veulent faire... qui veulent créer une e-réputation pour le personal branding, c'est intéressant de choisir des sujets qu'ils maîtrisent. Donc, des sujets, faut pas aller dans tous les sens. Moi, je fais du marketing digital, je suis plus, j'ai plus d'affinité avec le référencement. Je commence d'abord par avoir une e-réputation sur ce sujet-là, que je comprends, que je maîtrise, parce que c'est pas intéressant d'avoir des personnes, si je me trompe, vous me dites, hein, qui sont dans tous les sujets et finalement qui sont dans rien. Et quand on a besoin d'un profil, on ne sait pas identifier par cette personne-là ses capacités, ses forces. Alors que si on est bien dans un sujet, c'est sûr qu'on peut derrière être embauché, faire des conférences, donner des cours, etc. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment choisir des sujets qu'on peut maîtriser et pas tous les sujets en même temps. Super, super. Merci beaucoup, Bérénice. Bérénice, qu'on pourra retrouver très bientôt, hein, parce que je vous l'ai dit, à Dicom Day, ça arrive très vite. Hein, on a bien sûr. Et grâce à Dieu, quand même, l'e-réputation d'Adicom, bon. Oui, non, je confirme, hein, je confirme. C'est vraiment la plaque tournante, la créativité africaine digitale, le grand rendez-vous des créateurs de contenu et influenceurs du continent. Donc, clairement, vous avez vu, il y a deux dates. Il y a le 28 octobre à Abidjan pour le forum et le 3 et le 4 décembre à Dakar pour la partie Awards. La récompense des plus bons créateurs de contenu sur le continent. Donc voilà, Bérénice Kouassi, vous allez la retrouver forcément là-bas si vous faites le déplacement, elle sera là, avec toute la team Adicom Days et Totem Experience. Bayana également est disponible sur LinkedIn, sur Facebook, son site internet qu'on a vu passer, bayana.com. Elle pourra, et bon, moi je le sais parce que je la suis depuis. Donc, vraiment, il y a souvent des petites publications qu'elle fait entre crochets, Baya Jobs et autres. Vraiment, il y a pas mal d'opportunités d'emploi avec Baya. Franchement, elle publie des offres. Bon, moi, c'est dommage que je ne suis pas en Tunisie, mais bon, s'il y avait la possibilité, j'allais postuler pratiquement tout le temps.
Il y a des conseils, il y a d'autres astuces, il y a des belles réflexions et surtout, il y a des mèmes. Bon, des trucs vraiment très drôles. Moi, ça me fait beaucoup rigoler. Donc, vraiment, pour ceux qui aiment les mèmes comme moi, aiment rigoler, c'est important, vous pouvez la follow et vous n'allez pas être déçus du contenu. Donc, voilà. Quant à nous, on se donne rendez-vous le mois prochain, le quatrième lundi du mois, avec de nouveaux invités et une nouvelle thématique. Prenez soin de vous et bonne fin de soirée. Bye bye. Au revoir. Que les personnes qui sont ici ont en commun, c'est vraiment un désir de créativité, de passion, d'ambition. Faites des rencontres, identifiez, créez, développez des opportunités de business. Qui a déjà tweeté hein?